Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, pour changer, ce n'est pas de l'UHC. C'est en revanche le condensé d'un tournoi Battalion auquel j'ai participé il y a quelques semaines et dans lequel j'ai plutôt bien joué. Pour vous expliquer rapidement, c'était un tournoi basé sur les kits archers. Il y avait plus d'une centaine de joueurs, donc il y avait parmi les meilleurs joueurs arcs. Bon, étant donné qu'on était beaucoup, c'est pas direct commencer sur un tournoi à élimination classique en mode on est 64 puis 32, etc. Ça a commencé par un système de tournoi suisse. Le principe est assez long à expliquer, mais bon, vous avez des explications dans la description si ça vous intéresse. Mais sinon, pour résumer rapidement, on va dire que normalement c'est comme des qualifications, c'est-à-dire que pour les 6 premiers rounds, il y aura aucune élimination, tous les joueurs ont participé. Avec ce système, en gros, si vous gagnez vos matchs, vous allez affronter des adversaires de plus en plus forts. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais ça sert à rien de s'attarder sur des détails. Le but, c'est qu'au bout des 6 rounds de qualification, il faut être dans les 16 premiers pour passer dans la phase finale du tournoi. Du coup, je vais seulement mettre les fights les plus intéressants, c'est parti. Bon, j'ai seulement mis deux fights, mais j'ai gagné tous mes matchs, tous les 6 rounds de qualification, et du coup, je finis deuxième du classement. Bon, voilà, c'était les chaînes, c'est mon alter, j'étais pas avec mon main. Le premier Popirisson, lui aussi, a gagné ses 6 rounds, et nous sommes les deux seuls à avoir été invaincus à ce stade-là. Waouh, trop fort! Et du coup, vu que je suis dans les 16 premiers, je passe dans les phases finales. Bon, à partir de là, ce sera du best of 3, donc meilleur des 3, donc 2 points gagnants. Là, les joueurs vont tous être de très bons archers, je vais mettre les meilleurs fights encore une fois, c'est parti.
Et comme vous l'avez vu, j'ai perdu en finale malheureusement. En vrai, je pense que j'aurais pu gagner, je pense que je suis meilleur en short train, j'ai complètement paniqué, j'ai joué n'importe comment, genre j'ai pas rush en mid range alors que j'aurais pu le faire et que j'aurais sûrement battu. Et du coup, je suis resté en long range et là il m'a outplay vu qu'il est bien meilleur que moi là-dessus. Et ça m'a coûté la victoire, donc bon, GG à lui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai voulu upload ça parce que je trouve que ça change un peu de voir des fights à l'arc, surtout contre des joueurs de haut niveau. Même si j'ai pas gagné, j'ai trouvé quand même que c'était plutôt sympa. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous voulez ou non plus de vidéos de ce type qui sont plus basées sur le PvP ou sur l'arc. Et dites-moi si je dois faire une vidéo comment être le meilleur à l'arc XD. En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.